J'ai fait ton défi gratuit 5 jours, transition végé, qui a été excellent pour moi. Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, ben écoute, je pense que je vais aller cogner à cette dernière porte-là. Puis après ça, ben je démissionne parce que j'avais essayé plusieurs choses. Je te dirais que ça fait au-delà de 5 ans que je cherche à être mieux dans mon corps, dans mon alimentation, parce que j'ai développé beaucoup de problèmes d'alimentation, de digestion. Ensuite est venue l'inflammation, les articulations, les capsulites, les bursites, les tendinites. Fait que tout le monde me disait, ben écoute, t'as un côlon irritable. Tu sais, j'étais comme tannée. Puis là, quand je t'ai accroché après ton défi, c'est vrai que tu étais hésitante à m'aider, mais moi, je sentais intérieurement là, que tu vas faire quelque chose pour moi. Donc, je t'ai comme supplié de me prendre parce que j'ai dit Parce que oui, tu me parlais de bactéries, tu me parlais je. de parasites, tout ça. Là, je te Oui. disais, je voulais pas te promettre rien, tu sais, dans le sens que. Oui, puis j'ai tellement apprécié ça, mais je sentais qu'on pouvait faire quelque chose ensemble. Et puis, je suis vraiment contente que tu m'aies accepté parce que ça a changé plusieurs choses pour moi. Ben écoute, premièrement, mes articulations, c'est vraiment miraculeux. Moi, mes bras ne levaient pas. Mes bras lèvent, je suis capable de m'habiller seule. Ma hanche droite, j'ai plus de douleur à la hanche droite. Ça, je l'ai vu à peu près 4 semaines après qu'on a commencé à manger avec l'assiette Vitalité. Et puis, tu sais, je pense aussi, j'avais déjà fait, je t'avais dit, j'ai déjà essayé ça, manger végé 2 fois. J'ai tout le temps faim. Là, avec la ménopause, j'avais pris pratiquement 10 livres, puis j'étais comme un peu découragée, puis je dormais plus non plus. Fait que j'étais à prévenir folle. Sincèrement, quand je t'ai appelée, là, je t'ai dit, écoute, je dors peut-être 2 heures par jour, par nuit. J'ai pris ton cours et puis tout de suite, dans les premières semaines, aussitôt qu'on a embarqué, là, j'ai plus de rage de ça, j'ai même plus le goût. On se sent bien, on se sent encadré, on sent qu'on parle avec quelqu'un qui sait ce qu'elle dit, puis sait ce qu'elle fait, puis on est vraiment bien dans ce programme-là. C'est un investissement. Tu sais, je vais être honnête avec toi, au début, mon chum disait, tu vas pas encore payer pour ça. Tu sais, Nathalie, ça n'a pas de bon sens. Je te le dis, avant toi, ça doit faire au moins 8 à 10 ans que je cherche. J'ai dit, garde, je te le promets, là, c'est fini. Mais c'était le plus bel investissement des derniers 5 ans de ma vie, en fait, de retrouver une santé optimale. J'avais des preuves des prises de sang à l'appui, hein. Tu sais, j'ai un médecin holistique, puis elle voyait les marqueurs, excuse-moi l'anglicisme, mais je me Les souviens, les marqueurs, hein? marqueurs Marqueurs d'inflammation d'inflammation. descendent à mesure que, tu sais, après 2 mois, elle dit, My God, elle voyait aussi mon taux de toutes mes choses qui n'allaient pas bien. Elle voyait tout ça se replacer. Moi, j'étais en prédiabète, une petite fille qui mange bien, puis qui, t'as vu, tu sais, mon diabète, mon prédiabète, si tu veux passer d'un 6,1 à 5,2,3, tu voyais tout avec mes prises de sang que ça allait bien, mon affaire, là. Puis même mon médecin holistique, elle n'en revenait pas. Fait que, tu sais, ce programme-là aussi, là, en terminant, je veux m'enlever ma peur de manger des fruits. Mais on m'avait coupé de tous les fruits, on m'avait coupé de tous les féculents, on m'avait coupé de tout ce qui avait moindrement un peu de sucre dedans. Avec ce programme-là, en désenflant, en me sentant bien, en regagnant mon énergie, en dormant mieux, ben, j'ai été capable là, de vraiment recommencer à manger chacune de ces choses-là sans avoir d'effet néfaste et puis de reprendre confiance à manger ces choses-là. T'sais. J'ai plus peur de manger, j'ai plus une grosse fatigue après mon repas, j'ai plus des grosses crampes, j'ai plus de douleur après mon repas. T'sais, tout le monde voit, là, mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? On dirait que tu as rajeuni, on dirait que tu as plus d'énergie. On dirait que c'est vraiment magique. C'est une façon de faire qui, quand tu as les bonnes informations, que tout va ensemble, ça fonctionne. C'est ça qui est important. Si tu es vraiment centré sur te vivre en santé, vieillir en santé, c'est le plus beau cadeau que tu peux pas te faire.